Il y a 12 6 frappes là, 6 frappes à gauche. C'est bon ? Alors, deux ateliers. 6 frappes du droit, 6 frappes du gauche ici, 6 frappes du droit, 6 frappes du gauche ici. Les 3 joueurs qui mettent moins de buts et le gardien qui prend plus de buts, il paye une table de ping-pong. Je suis mal barré. Vas-y, c'est bon ! Allez, Denis, allez, vas-y. Vas-y, tu nous montres tes buts. Et applique-toi sur le jongle. Voilà, 0. Mais c'est pas mal. Léo, pied droit. Voilà, c'est pas grave. Allez, Akader. Vas-y. Voilà, hein. Bien joué, Louis. Et toi, t'es sûr de papiller déjà. Adilat. Merci. C'est ça. C'est ça, dommage. Je suis pas payé. Oh, dommage. Tu la mets trop, toi. Tu la mets trop fort. Je vais essayer d'où. Là, on est chaud, là. Ça y est, ça commence. Je l'ai jamais vu faire un coup de chercher. 5 ans que je le connais, jamais il a posé comme ça. 5 ans que je le connais. Il veut pas payer, il veut pas payer. Va pas trop droit, mais toi décale-toi pour que tu puisses la frapper pied droit après. Voilà. Oh bravo Léo. Bravo. Bien joué. Donc là, pression. Moi je soulève les fous. Faut pas payer. Le premier, il a mis 3 buts, c'est Victor. Victor, après moi, c'est chaud. Et Ibra. C'est chaud. Hein, c'est la pression là. Kader, il est à 4 si maintenant. On frappe. Kader, reviens là, c'est pas fini. Hein. Une mission qui, toi. Sur moi, mais faut pas le dire. Les volets, c'est... C'est doux, messieurs. Ça est doux. Allez, on enchaîne. Après c'est 5ème. Fork shit. Allez, 5ème passage. C'est pas mal, c'est un travail technique. Allez, appliquez-vous sur le travail. Allez, bras. Moi je tire au hasard. Oui, bras. Champion flic. Allez, Mikael. Ils ont de la chance. Ils ont de la chance que je suis blessé, que je le fais pas. Comment tu vas, toi? Hein? Comment tu vas, toi? Ça va mieux. Bientôt sur les terrains. Là. Bientôt de retour. Bage. Combien, Bage? Bage, combien? Zéro. Là-bas. T'es mort, frère. T'as plus, toi? Eh, Jill, y'a pas, je suis à 1. T'as combien, c'est doux? Allez! Ouais, Eh, ben, Jill! Léo, il a mis un but. Léo, il a mis 3 là-bas. Ah, bah, rajoute un. Donc, Lenny, il a fait 0 et là 2. Donc, 2, Léo. Lenny! 4, Kader, 1. Ça fait 2, Sam, 1. 4, Lui, 1. 5, Dylan, 1. C'est chaud, hein? Tom, 0. Tom, 4. Et après 0-0 tout le monde. Il y a que ce passage. Il y a que JP qui a mis un but. Oh là, ça fait c'est qui le winner du coup? C'est moi, Paul. 3, 1, 0. Donc JP qui est sûr qu'il paye.
JP, t'es sûr de payer JP, hein? JP. Non, JP1. JP1, Benji. Ouais, bah, ouais. Bah, attends, c'est ça. Oui, mais ils sont sur égalité, il faut les départager. Ouais, mais ils sont combien, hein? Il y a JP, Mika, Benji. Non, ils sont 3. Dylan. Et Dylan. Ah, il y en a 4. Les gardiens, c'est Drey. C'est Drey qui paye. Après, il faut partager les 4. Mais il y en a 4. L'annonce égalité! Qu'est-ce qu'il est pendant? Dylan! C'est grand! Dylan, t'as perdu? C'est un scandale! J'ai pris des buts, les mecs ils ont fermé les yeux pour tirer. Le kiné, la cheville, les yeux, l'arceau. Solo, Mika, c'est du solo. Donc la table de ping-pong. Mais il n'y a pas que moi, il y a Lamine, il y a JP et il y a Adrey. Elle Adrey. Ouais, il y a une bonne ambiance, ça se passe bien, on est dans la bonne humeur. Donc bon, on travaille bien, sereinement. C'est bien, il faut continuer. Et puis bah, on aborde le match le plus sereinement possible. Donc on va essayer d'aller chercher les 3 points à Bordeaux. Salut. Bonjour tout le monde, go au boulot. Et c'est parti pour cette 26e journée de Ligue 2 au Matmut Atlantique entre les Girondins de Bordeaux et la AS Saint-Etienne. Ce match, ce classique du football français. Attention à ce premier tir pour les Bordelais. Et Victor Lebris, la frappe, la première pour les Stéphanois. La surface. Oh là là, Gauthier Larsonneur qui a été courageux.
le petit ballon que c'est bien fait en direction de Nkunku. La surface, oh là là. Oh, ça passe juste à côté pour Nils Nkunku qui cette fois-ci avait pris le bon couloir. Une nouvelle fois Nkunku. Nkunku encore. Oh, ça passe une nouvelle fois à côté pour Nils Nkunku. Allez, dans la surface. Oui, dans la main conduit. Le sort. Et derrière la frappe de Wadji qui provoque la colère noire de Laurent Batless. Ah oui, à Wadji qui doit attaquer son ballon. L'angle est bien fermé. Oui, quel dommage. Oh là là, quelle opportunité. Attaquer la balle pour Wadji. Plonger là. Des soucis. Oh là là. Et en deux temps. En deux temps, c'est Badji qui vient ouvrir le score directement à l'entrée de cette deuxième mi-temps. Cette équipe stéphanoise qui a toujours du mal à rentrer dans les matchs, en train de remonter. Il n'y a absolument pas faute. Pas d'hors-jeu. Oui, ça s'est bien fait. Oh, dans la surface. Et pénalty pour les Verts. Pénalty pour les Verts. C'est sûr. Et Bordeaux, ils peuvent s'en prendre qu'à eux s'il y a match nul, parce que bon, ils avaient le potentiel pour écraser cette seconde mi-temps et ils ont fait les attentistes. Et on croit en lui d'aller chercher ce but. Jean-Philippe Crasso face à Gaëtan Poussin. C'est parti et c'est dedans. Impeccable pour Jean-Philippe Crasso qui vient égaliser pour les Stéphanois. Et ça fait un but partout entre les Verts et les Bordelais. Terminé. C'est terminé, Alain. Un partout entre Bordeaux et Saint-Etienne. Un pénalty de Jean-Philippe Crasso suffit au bonheur des Stéphanois qui restent invaincus, Alain, qui sont allés prendre un point chez le deuxième du championnat. On revient de loin. Et les Verts qui sont pour l'heure, à l'heure où on parle, 11e de cette Ligue de Bégaté. Ouais, bien sûr, c'est toujours intéressant de venir prendre un point ici, en sachant que c'est une très très belle équipe de ce championnat, qui n'est pas deuxième pour rien. Donc on était venu avec l'ambition de prendre des points. Aujourd'hui, on en a pris un, donc voilà, on est satisfait. C'est un peu embêtant de prendre un but comme ça d'entrée, alors qu'on s'était dit de bien entamer la deuxième mi-temps. Maintenant, ce que je veux retenir, c'est la réaction qu'on a eue. On n'a pas lâché et je pense que sur le match, c'est ce match nul est mérité. Allez, juste féliciter tout le monde. Féliciter tout le groupe. Je sais que c'est pas facile aussi pour ceux qui jouent moins et tout ça. Je sais que c'est pas facile, mais on enchaîne les points, on enchaîne des résultats. Soyez encore tous solidaires. On a été très solidaires cet après-midi. Je pense pas que malgré tout, on méritait de perdre. On est revenu au score, on garde notre dynamique et on remonte au classement. On vous avait demandé de reprendre des points pour remonter au classement. On remonte au classement. Donc félicitations à tout le monde. C'est pas facile de venir gagner ici. C'est pas facile de prendre des points ici. On l'a fait. Donc félicitations à tout le monde, les gars. Bravo.